Le mur occidental, aux petits soins, à quelques jours des fêtes. Le mur a fait l'objet d'un examen minutieux pour assurer la sécurité de l'édifice. Ce travail a été entrepris alors que plusieurs milliers de fidèles sont attendus pour prier devant le mur tout au long des fêtes, à commencer par Rosh Hashanah cette semaine. Avant de retirer les vœux placés entre les fissures dans les pierres, les équipes qui travaillent sur place devaient se baigner dans le mikvé. Ils ont par ailleurs utilisé des bâtons de bois spéciaux pour extraire les bouts de papier qui seront précieusement archivés. Le rabbin Shmuel Rabinovitch a lui-même supervisé les travaux et a assuré qu'aucune des notes n'avait été ouverte ou lue par le personnel.